Bonjour. Bonjour, ça va? Bonsoir. Oh, bonjour Seb. Ça va? Ouais. J'ai des outils de streamer, maintenant je m'amuse. Ça, il est dans l'étape où il utilise encore l'Ago XLR et qu'il est pas blasé, mais ça viendra. C'est clair, moi j'utilise plus du tout, quoi. C'est comme des relations amoureuses, en fait. Il y a la passion au début et après la routine s'installe. Et... Du coup, là, il n'y a plus que Karim. Et non, tu t'es bien trompé, Frédéric. Tu t'es bien fait avoir, car j'étais là. Non, mais je veux dire, il faut que tu acceptes le squad stream. Ah, il faut que j'accepte. Ah, tu m'as bien lu. Bonsoir Karim, accepte le squad stream. Il manque plus que Karim, et ensuite chez Fred, faudra lancer la squad stream comme ça. Je suis prêt, mec, j'ai le bouton sur le doigt, le doigt sur le bouton plutôt. J'ai un bouton sur le doigt. C'est dégueulasse, perds sous l'eau parce que ça passe d'ailleurs, faudra vraiment que j'aille voir un médecin. Eh bien, plaisir qu'on soit tous les quatre pour Sea of Thieves, là, tranquille. Mais c'est fou comme ça fait longtemps quand même. À chaque fois, ça fait longtemps. À chaque fois, c'est toujours, on réapprend les boutons, Karim va dire que c'est l'eau la plus belle qu'il a jamais vue dans un jeu vidéo. Tout à fait. On va pas réussir la fable qu'on essaye de faire, ça va être une catastrophe, et puis voilà quoi, c'est une bonne soirée. Et on va se venir dessus, on va découvrir qu'il y a voilà, du vomi, alors ça nous fera toujours rire comme le premier jour, c'est ça qui est beau. C'est vrai. J'espère qu'un jour on fera une IRL Sea of Thieves et qu'on se vomira dessus. Pas le temps de niaiser, je lève l'encre. Ah, Dame et Zanine, ça me fait plaisir de te recroiser par ici. Tu n'as pas chien et chier. C'est vrai que ça joue de Karim, il est... le clown qui suce sous un pont, Karim. Ah merde, la caméra. Quoi, la caméra? Non, mais rien. Très bien. Allez. Non, on va faire une fable. On va faire une fable. Alors, il faut que je retrouve le menu pour trouver les fables. C'est fou quand même d'applaudir quand t'as un crochet à la place d'une de tes mains. Quoi. C'est hyper. Aïe, aïe. Il faut qu'on aille à Plunder Valley. C'est peut-être. Je sais pas si c'est ici ou pas. Donc du coup, n'oubliez pas de ramasser des. Ce bateau. De ramasser des merdes là dans les tonneaux. Ramasser des merdes, exactement. Oh, et puis merde, je trouve pas de tonneaux. Ça me fait chier. J'ai pas envie de looter quoi que ce soit. Je vais venir vous rejoindre. Je déco. Allez. C'est moi. Des planches, ça va servir. Ça, par contre, j'ai le pif pour. Il manque plus que Seb qui arrive. Mais qui me tire de midi? Putain, mais. J'ai des vers de terre dans la main, je vais m'en servir. J'en ai rien à foutre. C'est pour souhaiter la bienvenue, c'est le baptême, allez. Il faut que je lui vomisse dessus. Je suis désolé. Ah non, bien sûr, tu auras. Ne t'inquiète pas, j'aurai la barre. De cohésion d'équipe. Allez, baissez les voiles, messieurs. Oui, c'est vrai qu'il faut faire ça dans ce jeu. Oui, mais c'est un jeu de bateau, c'est un jeu de bateau, on va pas se mentir. Alors, c'est quoi qu'on fait? On fait la fable de l'autre fois qu'on avait pas réussi à faire avec Bagara et Mintos, mais il faut aller l'apprendre. Ouais, mais c'était donc sans compter que maintenant vous jouez avec des winners. Ça veut dire zizi en anglais. Ça veut dire zizi en anglais. oui, voilà, des winners. Des saucisses. C'est très bonne vague. On joue avec des saucisses. Mais attends, mais. Ah non, mais t'es dans la cale. Comme Natacha Campouche. Joseph Fritzl. Oh là là. Let's go. Bah alors attends, je vais. Pensez à vous vider dans les tonneaux. Espèce de. Mais oui, il était très faible. Le répugnant personnage, va. Mais ouais. Non, je dis videz-vous dans les tonneaux. C'est déjà fait. Et délicieux. On dirait vraiment de l'urine le grog là. Vous êtes déjà en train de boire? Ouais, qui s'est vidé là-dedans? Qui s'est vidé dans ce tonneau? Qui s'est vidé dans le grog? Pourquoi ça a fait réagir le Siri de mon téléphone quand j'ai dit ça, bizarre? On a découvert ton mot de passe. Vidé dans le grog. C'est un peu une partouze. C'est vidé dans le grog. Ah, je vais monter, je monte à la vigie. Bah écoute, Fred, tu diras à Seb et Karim quand... Oh, je suis tombé. Non, j'y vais, j'arrive, je reviens. Non, je reviens pas. On va passer à côté d'une île, bon, c'est pas grave. Et voilà, les dangers de l'alcool. À la grosse cité en face où on doit aller. Salut, Julien. La grosse cité en face, d'accord, ça marche. Ah, le vomi est pas aussi bien que dans mes souvenirs. Je suis un peu déçu. Ouais. Comparé à l'eau, tu vois. C'est vrai que quand tu compares le vomi à l'eau. T'es souvent déçu, ouais. C'est quoi le truc dans les deux entre la sloupe et le galion? C'est le brigantin, brigantine. D'accord. Il y a une brigantine à droite. Oui, c'était une devinette, genre une blague. À droite, je comprends pas ce que tu veux dire, Fred. Perso. Enfin, à tribord. Ah, d'accord, ok, pardon, j'avais pas compris. Oh, le mec RP de ouf. À droite, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, il est loin, non? Ouais, il est loin, ça va, il est loin. Qu'est-ce qu'il y a entre la sloupe et le galion? Qui je suis? Il me faut cette musique, elle est trop bien. Toi, tu vas devenir incontrôlable. Hein. Depuis que... Maintenant que t'as une chaîne, tu vas devenir complètement ouf. C'est fini. Tu vas devenir DMCA aussi, accessoirement. DMCA. Putain, pourquoi personne n'a pensé à faire cette blague? C'est très beau. L'eau, tu trouves qu'elle est bien faite, l'eau? Parce que moi, je trouve qu'elle est vachement bien faite. Honnêtement, de tous les liquides. C'est mon liquide préféré aussi. C'est mon liquide préféré. J'ai longtemps hésité avec le pull. Préparez-vous à lâcher l'ancre. Les termes de marin. Hein. Préparez-vous à mettre l'ancre dans la mer. Maintenant. À chouquer la bleu style.
Voilà. Bien joué. J'invente des termes. Ah, bon. C'est bien, c'est carré, ça, on adore. Putain, on va bien jouer aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Non, non, bon, attends, attends, on vient à peine d'arriver sur une île. Ouais. Madame Olivia vous a indiqué que Briggsy avait rendu visite à Salty, le perroquet. Se voulait-il intéressé? Il me semble que c'est un perroquet qui est complètement décharné un peu. Ce ouais, c'est cool, on n'est pas du tout dépaysé avec le, avec oh le non, temps. Oui. Quoi, Seb, Seb qui a été puni par Dieu, quoi. Il mais a oui, fait oui, Foxy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu en direct, c'est vraiment la foudre était tombée dessus quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, la foudre ouais, était tombée dessus mais genre toi. Ah Dieu me déteste ni putain. Ni le mec à côté, ni le grain de sable, ni le caillou, ni le lapin, c'est quoi lui. Ça il y a des trucs qui nous attaquent. Qu'est-ce que c'est que ce truc restez pas à côté de ces trucs là, ils explosent avec du poison. Attention, restez pas à côté. Eh mais ça fait peur Sea of Thieves en fait. Moi j'étais resté sur un... c'est sympa. Alors attendez, je crois qu'il est sur il est là, venez là où je suis. Il y a un truc gravé ouais avec le il y a un squeletton ouais, attention. Aïe! Ah ouais, putain, on me tire dessus! Eh, je vais clamser vraiment! Ouais. Enfin, attendez, je vais retourner au bateau. Et t'as pas de bouffe sur toi? Non, j'ai pas pris de bouffe parce que je suis un psychopathe. Ah, j'avais peur. Est-ce que t'es devenu Flash, Seb, depuis que t'as été frappé par le poudre? Ah, y'a le livre en dessous, pardon, le livre est juste en dessous. Il faut que vous votiez. Y'a un livre en dessous du perroquet, faut que vous confirmiez. Ok. Yes. Eh, re la foudre! Mais c'est pas vrai! Je brûle! Sérieux? C'est de nouveau sur Seb! Mais c'est vraiment Dieu te déteste, mec! Mais dites-moi, c'est quoi la bonne religion que je me convertis? C'est clairement. J'ai carrément on est là. Mais surtout, n'hésitez pas à lui dire quelle est la bonne religion. Rangez vos épées, rangez vos épées! Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut faire un sondage dans le chat? Non, non, on fait, ne fait pas ça, Seb. Ouais. Je vais la mettre dans le bateau. Putain, mais non, mais c'est putain, c'est qui c'est là? Vous êtes sérieux? Ah, vous êtes tous morts! Mais c'est la troisième fois que je prends la foudre! Tu peux nous ranimer? Je vous raise. Non, mais attends, mais j'ai pas mais un truc dans mon... T'as pissé dans une église ou quoi? Moi, je me souviens, Seb, que tu sommes dans les aéroports, tu te souviens? C'est... Oui, c'est vrai. Ils ont jamais trouvé, ouais. Ils m'ont scanné le bide et tout. Tu te souviens? Je mangeais du métal quand j'étais petit. Bon, ok, je suis sur le bateau. Alors, du coup, attends, est-ce qu'on a reçu la fable? Maudit sois-tu, Dieu! Viens te battre, mort bleu! Mais du coup, le flingue, ça va faire pareil. Si ça attire. Bah, vas-y, je teste. Allez, vas-y, frappe-moi! Frappe-moi! Comment do it now? Now! Kill me! Bah, venez. Je vais faire ça, je vais me couvrir de boue comme un prédateur. Ok, donc on a la quête. Oui. Il faut bouger là. Alors, la célèbre conteuse est elle-même empêtrée dans une malheureuse histoire. Je vais me mettre sous un arbre, j'ai entendu ce qu'il fallait faire qu'un cas d'horreur. Oui, <c'est... rire> Maintenant, seul le rhum peut vous ouvrir les yeux, vous montrer la marche à suivre. Cherchez la grotte d'ossement sur Plunder Valley. Donc ça, c'est l'île sur laquelle on est. Bah, let's go chercher. Une grotte d'ossement. Là, je trouve une grotte, là. Terrifié par la foudre, là. Ça est rentré dans ma tête. Hein. Ah, j'en ai trouvé. Ah, je suis avec vous. Bah oui, ah. C'est... Bah, on est ressorti du même côté, du là, il y a plein d'ossements, là, les gars. Là, il y a des ossements à ne plus savoir qu'en faire. Ah oui, j'avais pas vu ça. Par contre, si je prends la foudre ici, j'arrête de jouer, hein, je vous le dis tout de suite. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre, gisent les histoires des ossements inertes. C'est pas lui, là. L'oiseau de pierre. C'est pas Jean-Louis qui est mort avec un sourire de satisfaction. Après l'oiseau de pierre. Non mais ça a pas l'air d'être ici, y a pas de squelette d'oiseau là. Non, un oiseau de pierre. Ah oiseau merde. De c'est... Oiseau de pierre. Mais c'est peut-être Pierre la personne. Non, pas d'oiseau. Pas d'oiseau, pas de pierre. Je pense pas que ce soit la bonne île. Enfin la bonne île, la bonne pardon, la bonne ouais, je pense pas. Une autre grotte, ouais. On va aller chercher ailleurs. Je trouve que la pluie est moins bien faite que l'eau. Même si elle est faite d'eau. Karim, il est jugeur d'eau. Putain, mais c'est où cette histoire là? Après, alors, je suis dans une autre grotte. J'ai un feu d'alerte. Ah, attendez, j'ai trouvé. Tu as trouvé? Ouais. J'arrive. Oui, c'est bon, j'ai trouvé les autres pierres. Ok, bah attends-nous. Vous répétez tout trois fois, hein, c'est un truc. Oui. Oh, oui. Oui, la cage qui va descendre ensuite, le trésor est en haut, regarde. Il y a écrit, le capitaine Forsaken montre du doigt le feu. Et la cendre, main dans la main, deux amants regardent leur destin. La liseuse de Rome a posé son verre. Donc là, regardez, il y a des squelettes au sol qui correspondent à chaque personne dont je viens de parler. Il va falloir bouger leurs bras, comme c'est expliqué dans le bouquin. Alors, d'accord. Les deux amants, ça doit être deux gars qui se touchent. Le capitaine Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. Ah, le d'accord. Feu et la cendre. Donc, c'est ouais, lui qui poucave. Bah, les amants, c'est eux. Les amants, il faut qu'ils scannent la main, je crois. Ouais, bah je vais le faire. Le capitaine, il a un galurin. Voilà, c'est bon, ils se tiennent la main. On dirait les animatroniques. Ouais, on est complètement dans Pirates des Caraïbes, l'attraction quoi. C'est là-bas. Là-bas, le hop. Fond, ouais. Et voilà, regardez le plafond. Ah oui. Oh, yes. C'est cool. Ah, je mange un oignon pour la peine. Ici, on a. Du coup, on a des nouvelles pages dans le bouquin. Okay. Ah oui, c'était horrible ça, je crois, je m'en souviens. On avait mis 1000 ans. Et donc, la marque, c'est le dessin qu'il y a en bas, là, le crâne avec les pics, là. Et en fait, va falloir. Il me semble que dans mon souvenir, il va falloir se poser dessus
et regarder dans la longue vue avec à cet endroit-là et trouver un emplacement où creuser. Oh, ah oui, c'est celui que Bagheera elle avait foiré deux fois, je m'en souviens. Oh, c'était pas que elle. Ouais, bon, c'était surtout que d'elle, je me souviens. On lui fait signe de la main, on lui fait coucou. Sous son bus, elle nous écoute. Vous sautez là ? C'est par là, Antoine, t'es sûr ? Ah, pas du tout, moi je suis en train de. Mais tu me suis tout à l'heure ? Bah oui, je sais pas. Je suis où là ? Moi, je Mais qui suis qui en fait ? Je cherche au pif. Alors. Oh, je me suis pris la foudre ! Putain. Oh. Voilà. Et j'ai pas. Putain, j'ai pas de quoi bouffer. Merveilleux. Il y a quelque chose de. Attends. Waouh ! J'entends des trucs qui pètent depuis tout à l'heure. Ah non, mais en fait, je suis dans un endroit où il y a probablement un capitaine de mort. Capitaine de mort. Il est vraiment mort ou c'est une expression un peu. Ah, capitaine de mort, quoi. Je l'ai trouvé ! T'as trouvé ? Ah, ouais. Cool ! T'es où ? Là. Ah, là, je vois. Ouais, là, je vois. Si, si, longue vue, il faut. Non, mais il me semble qu'il fallait regarder l'île ou je sais plus quoi. Attends. L'île en France ou... C'est bien celui-là. Non, pas l'île. La soirée va être longue. On en est déjà là. C'est pas exactement le même symbole qu'il y a sur le bouquin. Oh putain, notre bateau il brûle. Quoi ? Notre bateau il brûle. Notre bateau brûle, les amis. Alors je vais à notre bateau, mais il brûle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, non. Il crame. Ah, la foudre est tombée dessus. C'est ça. La foudre, la foudre. Mais bien ce jeu. Bien sûr, la foudre. Saleté de pourriture. C'est pas grave. Attends, je regarde le symbole. Mais il y a de l'eau partout, il va s'éteindre à un moment. Ah non, t'as raison, c'est pas exactement le même, t'as raison. Ouah, ça crame de ouf, les gars. Ah oui, ça sort pas de l'œil, ouais, effectivement. Pendant que Karim est en train de lutter avec les éléments, on devrait peut-être aller l'aider, non ? Ouais, allez-y. Moi, je cherche le symbole. Après, je vais y arriver, je vais y arriver. Il va y arriver, voilà, il va y arriver. C'est un pro. Ah ouais, on coule en fait, on est en train de couler. Ah, tu veux y arriver. Tu es en train de couler, Karim, nuance. J'arrive. Ah, je crois que j'ai trouvé le symbole. D'accord, je vais aider Karim à ne pas couler. Ouais, vas-y, fais ça. Je vais. J'arrive, Karim. Vide l'eau. Heureusement qu'elle est vachement bien faite. Ah ouais, du coup, c'est un plaisir de vider cette eau, quoi. Ah, et ça continue à brûler, par contre. Non, mais j'arrive. Ça, y'a pas de problème. En termes de ça brûle, on est là, quoi. C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas, optimale. Bah, ça brûle, quoi. Ah ouais, le mât est effectivement en train de, quand même, de bien brûler, hein. Non, mais ça, éteins le mât. Ça brûle, bah éteins-le. Heureusement que j'ai fait venir un stratège. Ok, alors, vas-y. Je suis coordinateur des pompiers, moi, dans la vraie vie. Parce que ça, j'ai pas l'impression que le feu défeu. Enfin, j'ai l'impression qu'il est toujours autant fort. Ah, je brûle aussi maintenant. Ah ! Il est en train de défeuiser ? Non, non. Il ne défeut pas, putain. Ah oui, je vois le bateau. Ouh, ça va. Ouh là là, ça va pas bien là-bas. Hein. Allez, bon courage, les gars. Ah oui. Ah oui, il brûle bien, ouais, effectivement. C'est parce qu'il est fait de bois. Ils auraient dû faire plus en métal. Ouh là là, j'aimerais pas être sur le bateau là en ce moment. En train de brûler, quoi. Vu ? Vous l'avez vu ? Oh, les gens de mon chat ont l'ont vu. Où ça ? Au sol ? Là, le bateau brûlé, ils ont. C'est ça ? Ah, là ! J'espère que c'est intéressant par contre votre partie, parce que Fred et moi on est dans un autre truc. Ah, ça brûle aussi par là ! Ça brûle partout ! Ça brûle à des endroits qui brûlaient pas tout à l'heure. Oui, ouais, non, mais complètement. Parce que l'eau se met à brûler aussi. Oula. On est dans la. Ah ouais, pourquoi ? Sutter Kane est parti. Ah, mon jeu a craché. Ah, yeah, on adore. J'ai pris de la foudre chez moi, dans mon bureau. Eh, mais c'est vraiment, on est les pirates de la loose, de ouf. Hein. On est en train de vivre un moment économique classique. Il y a Antoine qui cherche des trucs pour s'enrichir et nous qui éteindons l'incendie. Non, mais attends, je suis en train de. Bah, j'essaye de. Oui, oui. Ah, c'est bon, là, ça brûle plus, non ? Eh ben les amis. Bon, ça va, t'as trouvé le trésor ? Non, je trouve pas. En fait, j'ai vu plein de faux symboles encore, mais pas de bons. Ah, mais attendez, vous n'avez pas avancé du tout. Parce que moi, j'ai éteint un bateau, quoi. Non, vous êtes. Il est bien éteint, en tout cas. Oh non, je me suis fait. Oh, je me suis fait softlock. Softlock, pareil. On est sur le bateau. Allez. Ouais, j'arrive. Mais alors, faut pas que j'aille par là, du coup, je vais aller plutôt par là. Voilà. Non, ça va. Bien joué, mec. Je viens avec toi, on va essayer de trouver debout, après c'est la vue, vous devinez l'emplacement de la pierre. Ah, quel connard. Quoi ? Non, rien, je parlais de quelqu'un. Wild West. Desperado. C'est Wild West, bravo. Tout à fait. Rough Rider. Desperado. Oh, je le tue. Alopecie. Desperado, alopecie, si tu connais pas. Wild West.
Slap the bitch. Attends, putain, je me fais défoncer par des squelettes, mais je sais pas comment les tuer. Oh, le stress. Oula, oula. Oh, il a un baril, attention. Derrière toi, non, c'est affreux. La noix de coco, j'en ai trouvé un, mais effectivement, il a un pic dans l'œil. Boom. Rien dire. Ah, j'ai pris feu. Je suis en train de brûler. Dans l'eau. C'est l'heure de manger une noix de coco. Ah, j'en ai plus. Une noix de coco, ouais, ouais, mon poteau. Flinguer un poulet pour un petit pilon. C'est génial ce que tu viens de dire. C'est le nom de mon prochain EP. De quoi, Colomber les petits pilons? Non, il flingue un poulet pour un petit pilon. C'est vraiment ça, le double sens marche à mort. Hein. À donf, à donf. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà des albums de rap en fait. Colomber les petits pilons, c'est pas ouf du tout. J'ai une musique, on va se faire. Attends, NSM. C'est un peu question pour un champion, je sais pas où. Ouais, moi aussi j'ai envie de répondre à des trucs. Je rends la main, je donne la main. Tu répondras à quoi? Comment on les tue ceux-là là? Ils sont durs, hein, ouais. Après, c'est peut-être la nuit, et comme on dit, la nuit, et tous les chats sont afro-américains. Quoi? Qu'est-ce que tu... N'importe quoi. Ah, mais peut-être que les faux symboles, entre guillemets, c'est des trucs qui indiquent la direction dans laquelle se trouve le vrai symbole. Ah, faut trianguler peut-être, ouais. Donc attends, donc vous dites qu'il faudrait qu'on se mette tous les trois sur un symbole, et ensuite on marche dans l'inverse du sens d'un triangle. Mec, on a vraiment pas du tout dit ça. Ah ouais, là, t'as inventé un truc. Eh, mais tu t'es parlé tout seul. Non, bah, j'ai pas dit ça. Mais surtout qu'il y a un mur en face, en plus, comment on fait? On va aller chercher ma marque, debout, apprécier la vue. Vous devinez l'emplacement de la pierre? Mais non. Et si la réponse est non, qu'est-ce que t'as à me répondre? En fait, là, je suis sur le bateau et je regarde la carte de l'île en même temps que la carte qui est sur le bouquin, ici, pour essayer de trouver l'endroit. Mmh. Ouais, est-ce que genre l'île a pas la forme de la carte du bouquin? Si c'est complètement con ce que je dis, évidemment que oui. Parce que non, mais c'est le principe d'une carte en fait. Ouais. C'est bon, les cartes, elle a pas la même forme. Vous avez vu, cette carte, elle a la forme du pays, y a pas un truc? Là, t'es sur la tête de l'oiseau. Ah, mais c'est l'oiseau. Ah, attends, mais c'est pas là où je suis, genre? Genre, moi je suis sur la tête de l'oiseau là, c'est ça? Ouais, tu es sur la tête de l'oiseau. Apparemment, j'ai trouvé le bon, me dit le chat. Oh là là, y a des méchants. Oh, mais putain! Oh, ça casse des couilles! Si on se fait attaquer, c'est peut-être qu'on a trouvé. Non, je suis pas sûr, non. Non. Je pense que non. Ah, mais laissez-moi être heureux un peu, laissez-moi. Non. Ok. Y a un navire en bas, genre. C'est pas là? Où ça? Bah, un navire échoué là. Non? Ah oui, en bas. Je vais aller creuser. Vite. Dites-moi genre si c'est... D'accord, je te dirais genre si... Ah, l'urne brisée, ouais. Mais attends, comment on fait? Moi je creuse et je gerbe en même temps. Là de l'urne. Oui. Une vie de pirate. Mais je peux pas creuser. Pas près ici. Près de l'urne. Bah vas-y, on va creuser partout autour, Sam. Non, c'est trop chelou. Pour moi, c'est y a un lit sous roche. Près d'une urne brisée, un point à creuser. Ah mais ça c'est une urne brisée, mec. Attends, là-bas. Oui, ah, oui, Mezzanine, tu vois une urne brisée. Ah, bien vu. Sinon, on peut creuser autour de toutes les urnes du jeu. Attends. On n'est pas des teubés, les gars. Non, mais de toute façon, c'est forcément précis. C'est forcément un truc précis. C'est pas genre à peu près, regardez là. Si, j'ai trouvé, j'ai compris. Si je mets les deux yeux de mon squelette, à partir de. Regardez où je regarde, je suis là-bas. Oui. Je mets les deux yeux du squelette et je vois où est le point à creuser avec. Bah, vas-y, dis-moi, c'est où? Alors, ah, et je me fais attaquer, donc donnez-moi deux secondes. Par une saloperie, okay. Par plein de merde. Je me fais attaquer par plein de merde. Ah non Ok, attendez, c'était par là à peu près, c'était dans cette zone. Attends, c'est quoi, y'a des bestioles qui sortent de sous terre? Aïe, je suis mort. S'il vous plaît. Ah, je suis mort. S'il vous plaît. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Tu peux nous raise. Ah, j'ai plus de munitions. Aidez-moi. Los cauchemardos, putain, non, c'est chaud. Ah non, désolé. Oh là là, je suis mort aussi. On est tous morts, non? C'est génial, s'il se passe quelque chose de très beau. Je te ramène, Karim, j'essaie. Ah là là, oui, c'est bon. Mais ils sont durs à tuer, ces bâtards, là. Ouais, mais ils pètent en mourant, ouais, c'est ça le truc. Comme nous tous. Comme nous tous. C'est vrai, c'est un vrai truc. C'est les sphincters qui se relâchent, bien sûr. Hein. Alors, du coup, maintenant, il faut retrouver l'endroit où on était, c'est ça? Oh là là, mais relou. Ah, j'ai plus de mission. Seb, reste Karim. Ouais, mais il y a un homme crabe. Ouais, je note de décédé. Voilà. Il y a des pages supplémentaires. Oh là, on me tire dessus. La célèbre conteuse... Non, ça c'est le début. Mais y'a rien, juste rien pigé. Très bien, voici son emplacement. Ah, ça va être que des trucs comme ça, il va y en avoir plusieurs. Comptant chaque ressource pour vaincre ce voyage périlleux, le dénouement approche à en croire mes yeux. Donc c'est ce truc-là sur la carte. Ouais, je suis sûr d'être au bon, en fait. Attends. Ouais, je suis sûr d'être au bon. Je suis sûr d'être au bon, parce que je vois l'épave de là où je suis. Parce que Karim, tu as un symbole qui est à peine plus loin de toi, sur les rochers. Où ça? Il faut que tu descendes vers le bateau. Le bateau échoué. Ah, t'es en restant en haut, tu restes en haut, descends là. Alors, reste en haut et descend, c'est compliqué. Non, mais je veux dire, reste en haut de la falaise et descend, voilà.
Il y a pas des boulets de canon qui ont été tirés là ? Oh, il y a un bateau. Ah ouais. Putain, il y a un bateau. Ouais. Et c'est pas lui qui tire. Il se fait tirer dessus depuis l'île. Mais il arrive sur notre bateau par contre. Est-ce qu'on a des trésors sur notre bateau ou pas ? Non, il y a rien du tout. Si, si, il y en a. Mais ils peuvent le casser pour nous faire chier par contre. Bah Karim, retourne peut-être au bateau juste. Je suis à côté de toi Karim. Voilà. En plus, il ressemble à rien du tout là. Oh là là, c'est des premium users là, ils ont dépensé 1000 euros dans le jeu, putain. Oh, c'est un sloop, c'est pas un sloop qui va faire peur à un galion non plus. Oh ouais, on dit, c'est... tu te rappelles les 4 dernières fois où on a été coulé par un sloop? Ils sont sur notre bateau. C'est cool. Bon vas-y, viens Seb, on y va. Il casse le mât. Ah ouais, putain. Ah les bâtards. Wow. Un peu aussi. Ok, mais tu sais quoi? Attends, je vais sur leur bateau. Non, j'y vais aussi. Quelle bande de bâtards! Et il a levé le pavillon Alliance? Bah, super l'Alliance! T'es où? T'es dans les cales, Karim? Ouais, je répare. Ouais, mais je viens de tirer un coup de main. T'as fait mes réparations, ce bâtard! Ah putain, j'étais pas full life. Si on il me parle. L'île, ça reset. Il m'a tué, instant. Pardon. C'est des Britanniques, hein. C'est quoi, ça m'étonne même pas? Ouais, ils ont tué Jeanne d'Arc, hein. Ouais. Ah putain! C'est pas grave, on est juste de revenir à Plunder Valley, se refaire couler, revenir à Plunder Valley. Putain, du coup, on sera quand même au bon truc. Si le bateau a coulé? On va. C'est parti. Il prend feu! Oh, il prend feu? Ouais, voilà. Non, on va crever. Hein. Ah, mais il y a deux sloops! Il y a deux sloops! Mais let's go! Qu'est-ce qu'on attend? Mais... Sloop Doggy Dog, ouais, non, mais là c'est Doggy Dog, ouais, on me l'a fait sur le chat, elle était très loin. Ah oui, le bateau est mal là! Il est. Ouh, c'est pas. Non, on est mort, je suis mort. Pas la forme. Ah oui, le bateau là, il est. Ah oui, mais il y a. D'accord. Petite forme. Hop, je continue malgré tout, moi. J'en ai tué un. Oh non, le chien! On va éteindre ça, voilà, ça marche bien. Bonjour, monsieur en feu, ah, qui vient de me voler! C'est impossible, ils nous attendent, il y a deux sloops, on peut pas. Le bateau, ou alors faudrait lever l'ancre pour pouvoir orienter les canons en fait. Mais on n'aura jamais fini cette. Mais si! Faut juste revenir! Non, mais tu l'as dit avec suffisamment d'aplomb pour que je te fasse. C'est vrai, moi franchement, j'étais parti pour tout laisser tomber. Non, mais la planète est foutue, on n'y arrivera pas. Monsieur! Ah! Je vais crever un sort là. Qui c'est qui prend feu là? C'est tout! C'est littéralement tout! Ah par contre ça fait un spectacle magnifique là. Ah ça coule. Ah oui ça coule bien là. Hein. Ça coule bien. On va abandonner je pense. Ouais, à partir de là. Elle a le bougé, hein. Y a pas de problème. Bah, aïe. Moi je m'en fous. Je vais chercher les boulets de canon sous l'eau et je continuerai à tirer. Et voilà ça a coulé. Let's go. Vous êtes contents, bravo. Le feu est éteint messieurs dames. Ah. Mais le bateau n'est plus. Mais le bateau est Au moins, il est plus en feu, quoi. Vas-y, venez sur le nouveau bateau. Attends, je suis en train de me faire soulever par des mecs électriques et des fantômes. Oh là. Au jeu, s'il te plaît. Ah, moi, la dame au tromblon a eu raison de moi. Voilà. Moi, je tiens à dire que j'étais certain qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Oh. Non, mais si. Pauvre, t'es à la France en 40, quoi. Dites-moi, je vais dans la bonne direction. J'ai entouré l'île sur la carte, normalement. Ah ouais, je l'ai décoché, moi, je crois. Ah bah bon. Il y a un traître parmi nous. Moi, je pense que Seb, il bosse pour les Anglais. Hein. Ouais. C'est Plunder Valley, l'île en question. Il est arrivé devant la carte, il fait « Qui c'est qui a griffonné là-dessus ?» Oh, mais c'est ça, là. C'est dégueulasse. Tu sais, le geste, j'ai léché mon pouce, comme ça. Dites-moi si je vais dans la bonne direction de Plunder Valley. Attends, vas-y, vérifiez, moi j'oriente les voiles pour aller plus vite. Oui, t'es en direction de Plunder Valley. J'essaie de passer entre les rochers. Je te mets le stress avec la musique. Va bien ça. Elle est bien faite, quand même. Ah, j'ai soif hein, quand je vois ça. Ouais, ça donne vraiment envie de boire une grande gorgée d'eau de mer, là. D'eau de mer, c'est ça. C'est nous qui avons attaqué en premier, en fait? Pas du tout. Bah, le mec, il était monté sur notre navire. Tu montes pas sur notre navire. Ah, non, mais il a pas attaqué. Bah c'est pareil. Oui, il était là, quoi. Bah il était chez nous, quoi. Il a pas le droit d'être chez nous. Bah en vrai, il peut pour parler, en fait. Non. Il peut parler en restant en bas du bateau ou chez lui. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, Paradise. Mais la prochaine fois, n'essayons pas d'attaquer en premier, alors. Bah attends, c'est quoi ces conneries? Le mec, imagine le mec qui vient chez toi, il pose les pieds sur ton canapé. Et il parle. Il parle. C'est ça, il boit ton coca, il mange tes amandes et t'es en mode genre, je peux pas l'attaquer. Mais on a compris que t'étais raciste, Fred, y a pas de soucis. Voilà, mais bien sûr. Quoi. Je pense qu'il était venu pour négocier parce que peut-être qu'il. Négocier quoi? Mais j'en sais rien! Je sais pas, il voulait discuter d'un truc en mode on vous laisse tranquille, tout ça. Un peu à gauche le cap. Mais c'est quoi ça, le mec qui vient chez toi, il se pose, il dit écoute, je suis là pour faire un deal, je te laisse tranquille, mais trace ta route. Il repart avec ta femme et tout, non, mais faut décoller. Le lundi au soleil. C'est vrai que ça manque de Claude François dans le jeu, c'est ce que je me disais à l'instant. Bon, après, vu que t'as été foudroyé, t'étais pas trop monté, c'est pas plus. Allez hop là, bien joué. À chaque stream que je fais avec toi en ce moment, c'est une vanne sur Claude François qui meurt. Ouais. Ok,
c'est la grosse île qui est tribord nord. Ils ont redéplié leur voile. Ouais, je les vois. Mais ils vont dans l'autre sens, hein, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent. J'ai l'impression qu'ils sont montés sur notre navire, ils ont vu qu'on avait rien du tout. Ils ont fait, ah, tiens, mais revoilà vraiment les schlags, allez. On les laisse. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Quand t'es à chier, on a rien à te voler. Hein. Voilà. Le galion de la pitié, quoi. Ouais, vraiment, c'est le galion de la pitié. Alors, préparez-vous, JDG, tu vas dire quand est-ce que c'est ok. Ok, pivote à jeter l'ancre. Pivote sur tribord. Sur tribord, ok. Bienvenue à Plunder Island. Valet. Tribord, encore Tribord. Mais non. Oui, depuis tout à l'heure, tu vas sur bâbord alors que je dis Tribord, mais... Bah vas-y, jetez l'ancre, non. Attention, je jette. Alors c'était maintenant, hein, c'était... j'avais dit maintenant il y a 10 minutes. Mais non, j'ai pas entendu maintenant. Here comes the schlag. Après, on avait dit qu'il fallait mettre le navire verticalement, donc c'est pas mal, là. je vais réparer. On est dans une bonne position pour repartir. Il va falloir relever l'ancre, du coup, une fois que toutes les voiles seront full relevées. Oh, il y a encore l'orage, ouais. Je vais revenir à l'endroit où on était tout à l'heure. Enfin, où j'avais trouvé tout à l'heure. Par contre, est-ce que le navire pivote sur lui-même? Il faut laisser la barre droite, c'est pour ça, ce que je viens de te dire. D'accord. Attendez, je m'en occupe. Personne d'autre sur le bateau. Non, je le fais, je suis dessus encore. Il peut se barrer le navire s'il tangue un peu trop tout seul. Puis si le navire il tourne sur lui-même, en même temps, ça veut dire que les gens sauront jamais comment vraiment se placer, tu vois. Pour nous, c'est intelligent, hein. Ouais. C'est une stratégie à laquelle, je suis sûr, ils ont pas pensé. Vas-y, recule, Karim. Creuse là. On voit. C'est bien. Le bateau. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je vais me faire attaquer. Je vais jeter l'ancre, hein. Quoi? Bah, je vais jeter l'ancre, le bateau il avance tout seul. Ah bon? De toute façon, une nouvelle page. Yes. Si vous cherchez la pierre, vous devez la trouver à clé de mon atelier ici sur Plunder Valley, donc faut rester sur la même île. Mais la porte qu'elle ouvre ailleurs. Ailleurs. Mais merde! Putain de fantôme de merde là. Donc c'est encore à côté de l'épave, regardez, on la voit en haut. Non! Oh là là, je me fais défoncer, putain! Ah oui, j'ai pris la foudre tomber. J'ai pris la foudre. Ah non, j'ai mangé du porc pas cuit. Je vais peut-être avoir des problèmes. Par pur réflexe de peur, quand j'ai peur, je mange du porc pas cuit. Ah putain, je suis mort! Je me suis fait tuer par des vieux mobs. La salmonelle, hein, ça pardonne pas. Putain. Alors, c'était là-dessus. Tu sais où c'est exactement? Ouais, je sais où c'est. Karim, il était dessus tout à l'heure. Vas-y, attends, j'arrive, je vais te suivre. Alors là, il y a le premier. Et le deuxième, il est juste là. Donc vas-y, regarde dans la longue vue et dis-moi où est-ce qu'il faut creuser si tu trouves. Alors attends, je suis dessus. Et je dois aligner avec quoi? Deux trucs dans les yeux. Mais je sais pas quoi. Bah oui, mais... Ok, je sais. C'est bon? Fred, oui. Ou Seb, l'un de vous deux. Attends, il faut buter non, les meubles, là. Dis-moi. Descendez sur le chemin en contrebas, là. Ouais, attends, je pète les squelettes. Voilà, c'est bon. Le chemin en contrebas, j'y vais. Yes. Voilà, ok. Alors, va vers le mur. Là, creuse ici. Ah. Bien vu, c'est bon. Ah, et voilà le fameux baril de poudre, ah, Fred. Voilà. Attends, mais il faut le ramasser. Ah oui. Je peux pas le ramasser, comment je ramasse? J'ai pas le ramasser. J'ai pas assez creusé. Calme-toi, tout va bien se passer. Des stress. Ah oui, l'île explose. Ça explose, barrez-vous. Cours. Je peux pas courir, j'ai un gros baril. Mais là, je tombe vieux baril. J'en fais quoi? Ramène le bateau. Calmez-vous, c'est trop... Ah, vous êtes adorable, vous êtes super mignon. C'est ouais, c'était un peu Scatman, hein. Les gens disent quand même que le baril va exploser avant qu'on arrive sur le bateau. C'est vrai qu'il y a des éclairs. Dieu peut peut-être vraiment nous détester. C'est vrai que c'est le mauvais choix, le fait que ce soit moi qui porte le baril. Vous le quelque part, voilà. À côté d'une bougie. Voilà, on va le mettre là. Je vais mettre là sur le four. Comment on pose? C'est quoi le bouton? X. Comment? X. D'accord. Ah! Putain! Il y a un éclair qui a frappé le bateau. Ok, c'est vraiment... Attendez, je vais aller voir. Non. Il faut aller à Sailor's Bounty. Attends, j'arrive pas à poser le truc. Comment on fait le... X. Ah, mais la manette ou au clavier? Le clavier. Ça marche pas au clavier. Je joue à la manette. Si, X, ça marche. Si, le clavier marche. Pose ça, Sébastien. Pose ça. Ça ne marche pas. Il fait partie de moi. C'est mon bébé. C'est à moi. Tu remontes pas tant que t'as pas posé. Ça marche pas, je n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas lié à la quête? X, on y croit. C'est celle qui est en dessous de S, un peu. Mais aussi un peu en dessous de G. Ah voilà, j'ai réussi avec la manette. Je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Il faut qu'on aille à Sailor's Bounty, c'est loin. Bah let's go, c'est parti. Je monte à la vigie parce qu'on voit rien. Quelle île on va? On l'a pas. Ah mais j'en ai marre là. Ouais, le feu continue à tomber sur Karim. Ah, je vais mourir, je suis mort. Ne t'approche pas du tonneau. Quoi, je suis mort aussi? Mais pareil. Mais putain. Et je suis mort. Je suis mort du coup.
Ah putain, la voile est en feu, la voile est en feu. Il faut qu'on range ses épées en fait. Il faut qu'on range nos épées les amis. Il faut qu'on arrête de se balader avec des épées. C'est vrai, on est nul en bagarre en plus donc. Ah je suis remords. J'ai putain mais t'arrêtes pas de crever mec. Mais j'arrête pas de brûler en fait, je prends feu systématiquement. Mais Fred descend putain, aide-nous. Mais oui arrête, qu'est-ce que tu fais sur la vigie là? Bah je regarde. Mais on s'en fout. On est en train de couler hein. Ouais ouais, moi je suis en apnée là, attends où sont surtout les... ne frappez pas le putain de baril. Ah oui qu'est-ce que... Bah oui, ah oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ici? Mais je meurs encore, pourquoi je prends des hits? Qu'est-ce qui me tue? Enfin, il faut... Mais Dieu nous déteste! Non, le mât est en feu! Ah, je suis maudit! Le mât est en feu! Je suis maudit, mais comment ça se fait? Être maudit, c'est quoi? Une streameuse. Attendez, avant de décoper, vous avez bouché les trous? J'en ai trouvé qu'un. Ouais, si on coule, c'est qu'il y en avait d'autres, hein, c'est tout. Dites-moi, je vais dans la bonne direction? Oui, oui. Ok, parfait. Je sens hein, le bluff. Tu bluffes, Martoni. Oui, oui. Non, mais Fred, il est retourné sur la vie. Mais oui, c'est... Ah, estime-toi heureux que je fasse pas l'accent du mec d'Astérix. Hein. Ça pourrait être pire. Exactement. Ça pourrait être pire. Je suis content pour toi, surtout. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je le fous pas. Donc. Alors faites attention, la personne qui transportera le baril... a toutes les responsabilités de la soirée sur ses épaules. Quand vous avez le baril dans les mains, il y a un bouton qu'il faut pas appuyer parce que ça le déclenche et ça le fait exploser, je sais plus lequel. D'accord. C'est tous les boutons sauf un qui déclenche ça. Si on veut de la bouffe, vous séchez. Péché. Par contre, moi, je n'ai pas trouvé le bouton pour poser le coffre, donc je propose de pas porter le le baril. Ah, on peut dormir dans le lit du bateau pour ce heal. Attends, je vais faire ça vite fait. Non, mais c'est toi qui pilote, là. Ah, mais c'est ça. J'ai sommeil. Capitaine qui dit, je vais dormir. Mais ça n'a pas marché, ça m'a pas heal du tout. Attends, tu t'es couché sur lui? Ah ouais. Pas le moment. Non, mais... Allez. Je sais qu'on a le drapeau qui va avec, mais c'est pas le moment. Allonge-toi avec moi, ça fera monter ta barre. Est-ce que vous pouvez me dire... Allô. Est-ce que c'est notre île, elle est beaucoup plus loin, on est d'accord, hein? Bah j'en sais rien, moi je suis à la vigie. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs verts, là? Un peu à gauche. C'est, ça, c'est les îles de Pirates des Caraïbes, je crois. Le nuage vert, là? Ouais. Oh, c'est quelqu'un qui a pété, je vois. Voilà. Voilà. Excellente blague. Merci à tous. N'oubliez pas de vous sub. C'est pour plus de blagues comme ça. Elle est bien faite, l'eau. On a le vent. On a bien le vent, là. Ouais, on a bien le vent, là. C'est ton rôle, quoi. C'est à la vigie. En même temps, je fais pas que la vigie, je m'occupe des voiles aussi. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Sub, il s'est mis devant moi, il m'a regardé très longtemps, il m'a vomi sur la gueule. Putain, mais je perds de la vie! Je perds de la vie quand tu me vomis dessus en fait! Et je suis en train de crever! Putain, je du vomi de Sub! Tu m'étais en train de mourir du vomi de Sub! Ouais, je mens, je vais crever! Je suis mort du vomi de Sébastien! Attends, je te ressuscite pour te revomir dessus! C'est métal ça! Et c'est trop droit, c'est tout droit, c'est tout droit, c'est tout droit! Je vais vérifier! Vérifie s'il te plaît pendant que les autres se vomissent dessus! Ouais! Et mort, jusqu'à la mort! Écoute, je vous avais dit d'emmener un jeu de cartes! Oui, t'es pile dessus! D'accord, mais là je fonce sur un rocher donc faut peut-être que je passe à côté. Attends, tu veux dire qu'il te faut une vigie pour passer entre les rochers? Ouais, vas-y! C'est la fameuse vigie pirate! Putain, wow! Ouais, technique celle-là! Ouais. Par contre, est-ce qu'il faut mettre des verres, non, sur la... comme appât, sur la canne à pêche, je suppose? Je pense, ouais. Parce qu'en fait, je les mange, moi. Il a pas compris, mon père. Tu régresses, en fait. Tu régresses au stade et tout, quoi. Ouais. Tu vois la scène, tu sais, il a la canne à pêche dans la main droite, la main gauche des verres, il les mange, et après, il jette la ligne. Il vomit sur les copains. En vrai, ça mord pas, quoi. Alors, qui prend la responsabilité du tonneau? Fred, c'est toi qui la prends. Let's go. Quoi? Peur, hop là. Tu la prends? Non, tu le prends. Mais pourquoi moi? Ah, il est joué. Parce que t'es un mec super. Mais mec, tu sais que j'arrête pas de me tromper sur les boutons pour poser les tonneaux et tu veux me filer ça à moi? Moi j'ai pas réussi à le poser dans la cale. Bon, je vais le prendre. Ok. Oh, ça va mal se passer. Mais non. Oh, mais vous étiez avec des losers. Là, vous êtes... Mais oui, mais c'était moi qui portais le tonneau, donc c'est moi les losers. Bah alors attends, vas-y, je vais le prendre, t'inquiète. Je suis ça va bien se passer. Préparé à jeter l'ancre bientôt. Bien se passer, tu vois, bien se passer. Tu dis Fred quand il lance l'ancre? Ouais, je vous le dis. Maintenant. Ok.
Ça, c'est du hip-hop, hey, les gars. Regardez ça. Au mètre près, les gars. Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'est très joli. Bah ouais. Donc, je prends le baril parce qu'il y a marqué F sur ramasser. Alors, ne touche pas à un autre bouton. Je ne touche pas à un autre bouton à part le bouton pour avancer. Je lève la main hors de ma souris. Bon. Okay. Alors, il faut qu'on te retrouve l'endroit. C'est une grotte qui est au centre de l'île, si je dis pas de bêtises. Venez tous. Hein. Putain, mais en fait, à chaque fois que je prends un hit, je perds de la vie jusqu'à mourir. C'est ça qui m'arrive. C'est ça mon bug. Alors, il faut me protéger. Non, mais Seb est parti. Comment ça, Seb est parti? Ah ouais, il a déco. Il a crash. Et moi, je vais crever là. Je vais crever à cause de mon bug. Non, pitié. Oh, je te reste. Envie de claquer. Il s'est pas vraiment fait toucher par la foudre pour de vrai, parce que ça me rendrait extrêmement triste. Et en même temps, ça serait. Ah, ce serait une belle façon de partir, mais je suis pas prêt à. Ouais. Émotionnellement, je suis pas prêt à vivre ça, Frédéric. Je vois Fred avec son putain de baril. Terrifié, les pieds dans l'eau. Faut faire gaffe au squelette, j'essaie de te protéger. Oui, mais moi aussi, mec, je regarde partout. Bon, retourne sur le navire alors. Est-ce que cette tempête vient vers nous? Je ne sais pas, mais ce serait bien que ce soit pas le cas. Regardez dans les yeux. Est-ce que ce cumulonimbus est en train de se diriger vers nous petit à petit? En tout cas, le vent ne va pas dans notre direction. Si jamais, les gars, si jamais l'orage arrive sur nous et que je meurs en étant foudroyé avec le tonneau dans les mains, vraiment, je pense que c'est juste qu'il y a un dev du jeu qui est là et qui nous encule. Quoi. Il sera le temps de passer à GTA, hein, tu vois, genre. Là, je vous confirme que la tempête arrive sur nous. Ah ouais? Ouais, regarde, les nuages y grossissent là. Ouais. Non. J'avoue, ça arrive dans notre gueule. Ça. C'est une malédiction. C'est vraiment. C'est une malédiction. Ouais, j'ai l'impression d'être dans Mélancolia. Ouais, non, ça pue la merde. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien, reviens s'il te plaît. Ça charge. Oui. Voilà. Ah, allez, viens, suivez-nous. On y va, les amis. On y va et on va y arriver. Attention. Donc, c'est par là. Ouais, c'est ce couloir-là. Ce couloir-là est rempli de pièges. Ok, donc on va les bouffer en proms pour pas que tu te fasses niquer. Donc faudrait Seb, viens avec nous en premier. Laissez Fred passer en dernier. Donc là, j'avance, hein. Attention, il y a des pièges, il y a des pièges. Mais les gars, c'est foutu, en fait. Pourquoi? Parce que jamais... Attention, il y a des mobs. Merde. Non. Ok, Fred, tu vas doucement. Voilà, petit à petit. Regarde bien les patterns qu'ils ont. Ils ont plus les méchants. Ok, stop. Arrête-toi là, on va passer avant toi. Ok, viens là, stop, bouge pas, ne bouge pas. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Attends. Ok, là c'est une double. Et une triple même, c'est triple, il y en a 3. Il faut courir, je pense. Alors j'essaye, je cours. Ah, il est mort. Là. Okay. C'est foutu. Seb est mort. Mais je peux pas le résister. Hein. C'est foutu. Ah, on voit, on peut pas très. Attends, 1, 2... 3. Bien joué! Oh oui! Reste ici, je explore pour voir si. Attends, buter les buteurs! Éloigne-toi, Fred! Ouais, tu t'en fous de nous? Voilà, c'est bien, il va exploser, éloigne-toi. Je te suis, Antoine, tu sais où c'est? Non, on n'était jamais allé aussi loin. Alors attends. Ouais! Ouais. Là où je suis, il y a des fantômes. Non, mais je crois que c'est pas par là, je me demande si c'est pas la salle à derrière, côté. Derrière, il y a des fantômes! Non, il va pas, Fred, n'y va pas! Non, mais j'y vais pas, ouais. Je suis derrière Karim. Karim, c'est pas par là, hein! Non mais me suis pas, j'allais juste explorer. Attention, oulala. J'ai pas les images, mais ouais, le son c'est génial, hein, ce qui se passe. Ça fait bien attention. Oui, il y a les pièges. Ah oui, il y a un petit symbole. Mais c'est oui, pas vrai, j'ai pris le premier dans la gueule. Le nulos. T'es mort? Oui. Mais non. C'est pas vrai, Sébastien. Oui, mais je te trouve. C'est une joke. Oh là là, quel échec! On t'attend une dernière fois, mais sauf qu'on se fait agresser donc. Je sais, bah la dernière. Je vais me mettre dans. C'est la bonne. Je reste là. Vas-y, bro. Je vous avais dit qu'il fallait pas que je prenne le tonneau. Hein. Mais là on est content là en fait de la décision, tu vois. C'est vrai que ça a été une des meilleures choses de la soirée. Ouais, très très bon. Alors fais bien attention, Seb, hein. Je suis stressé de ouf alors. Ok. C'est bon, le premier est passé. Bravo. Allez, mon champion. Toi, allez, vas-y, allez. Ce stress de malade. Okay. Alors que, en vrai, c'est trop nul comme piège, que c'est vraiment... Mais il y en a plein d'autres, des pièges. T'en fais mille fois pire. T'en as vu d'autres? Ouais, j'ai un peu avancé, du coup, pour voir, et effectivement... Non, il y a encore d'autres pièges, vraiment? Il y a carrément d'autres pièges, ouais. Il y a des pics à la Indiana Jones, là... Et Seb, il est arrivé à un autre chemin, via un autre chemin. Il est pas dans le bon tunnel, mec. Si, il est là, mais pas... Il est arrivé via un autre chemin. Ok, alors par où je vais? Je vois rien, mettez-moi de la lumière. Ici, tu me vois? Vas-y, par là. Et du coup, là, tu vas voir qu'il y a, pareil, des pics qui sortent des murs, là, qui sont ici.
Attends, d'accord. Donc, faut attendre, tu vas voir, le pattern est simple, il sort un petit peu et ensuite beaucoup. Mais dès qu'il commence à rentrer, en fait, faut cavaler et puis tu ok. Peux, voilà. D'accord. Attends, le suivant. Vas-y. Maintenant. Voilà. C'est bon. Attention, elle est derrière. Derrière, 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 le squelette, les squelettes. Il m'a tué. Il t'a tué. Attends, j'essaie de te reste, Karim. Ah non, ça sort du sol, putain, il y a des trucs. Oui, il y en a qui sortent du sol. Attends, je te reste, Karim. GG. Donc, regarde bien le pattern là. Ouais, je vois. Ça sort du sol aussi. Ça sort du sol, quand ça rentre, j'y retourne. Voilà. N'avance pas plus parce qu'il y en a d'autres après. Et ils sont beaucoup plus vénères après, d'ailleurs. Ok, j'y vais. Stop. Ouais. Moi, je suis un peu derrière vous, je vais vous suivre. Ah oui, c'est quoi ce pattern de Kunar, ouais. Attends, je vais le faire en premier, Ouais, vas-y. Donc là, il y a un endroit safe, je crois. Ok. Non. Oui, d'accord. Si. D'accord. Là, il y a un endroit safe, entre les deux. Ok. 1, 2, 3. Ensuite, sous les trucs là. 2, 3. Bouge pas, Seb. Ouais, je bouge pas. Ok. Très bien. Ok. Vas-y, je suis c'est une bonne technique ça, Seb sert lui de guide, ouais. 1, 2, 3. J'avance. Ok, vas-y, Seb. On est bon, je prends de l'avance. 1, 2, 3. Maintenant, j'y vais. Voilà, c'est bien. Attends, on attend Karim et on est bon. Attention, s'il n'y a pas un squelette qui pop derrière moi. Quoi, la créature, elle a un truc dans la main, c'est quoi ça? Statue? Ok, on est dans la cache, on est dans l'endroit. Et je pense que tu dois mettre le baril là-dessus. Clé du baril de poudre, oui! Voilà. Voilà! Et tu vois, il y a des pics. Oui, mais sauf que c'est maintenant. C'est les méchants, Donc là, c'est bagarre. Protégez le baril, hein. Attention, il y a des. Voilà. Et ne mettez pas des coups sur le baril, par pitié. Ça c'est l'accident bête. Attention, gros mob à droite. Énorme mob. Ah oui, gros mob. Oh là là. C'est le moment de la scène d'action du film. Il y a des vivres dans les barils, hein, je rappelle. Wow. Attention, ça tape sur le bas. Ils sont pas loin du baril. Attention, il y a un gros. Il a pété. Il va péter à côté de lui. Et j'essaye, mais il me suit pas, suis-moi. C'est bon, il est mort. Restez pas à côté de lui. Mais c'est infini. Je ne sais pas. Des blagues. Y a pas un truc à faire au moins, c'est pas infini. Je ne sais pas. Si dans 30 minutes on est encore en train de se battre, faudra poser la question. Attention, il y en a un qui est pas loin de. Ah là là, oui. Je veux pas avoir cette responsabilité. Moi aussi, je mets des coups comme si on était à côté de Tchernobyl. Quoi. Voilà, meurt, production de communiste. Ah, mais il y a un levier là. Attends. Je dis le levier. Ah ouais. Ah, génial, GG, merci. Félicitations. Oh non. Oh non, mais qu'en faire. Oh non. C'est pas vrai. Oh non, aujourd'hui, il n'a pas pris tout ce que tu as fait. Antoine. Oh non, je suis. Oh putain. Bah attends, je me suis dit que c'était bon. Y'a pas un levier par terre, je veux dire. J'avais dit, oh, y a un bouton rouge. On dirait qu'il y a des pics. Ah putain, cet enfer. Mais attends, on doit tout refaire. Non. Ah, alors, y a un levier, quoi. Non, mais je me suis dit, attends, mais ça venait à l'infini. Je me suis dit, ah, y a un levier à tirer. Ah, mais on aurait dû discuter. On aurait dû discuter, mec. Là, faut pas prendre des décisions. Là, un CDF, là. Le coup de fou. Oh là, je suis désolé, hein. Vraiment, je pensais vraiment bien faire. C'est pas grave. Maintenant, on saura que c'est de ta faute, quoi, si on perd. Ah, c'est vraiment littéralement le fameux. Il sert à quoi ce bouton? Ouais. On démarre pas loin, c'est cool. Ah, d'accord. On rip-up là. Ils ont pété le baril. Donc, en fait. Ils ok. Attends. Non, c'est bon, le baril est toujours là. Alors attendez, laissez-moi utiliser les leviers. Vitez ça. Attention. Ouais. Venez pas. Vas-y. Putain, ne venez pas. Allez, le capitaine du repère, c'est lui. Je t'aurai, je t'aurai. Il y a le capitaine. Attends. Mais non. Quel enfer. C'est bon, il est mort. Ah, on bute les mobs, on bute les trash mobs. Pitié, raisez-moi. Ah, je me sens partir, les amis. Ah non, ça va, c'est trop mignon. Merci beaucoup, les gars. Eh bien, moi, je n'ai pas eu cette chance. Yes. Petite page. Vous êtes bien courageux de vous aventurer dans mon atelier. J'espère que les amis de Briggsy n'ont pas été trop durs. Cherchez la marque de la lune pour trouver la pierre dans le cache de Crescent Island. Je suis sur le bateau. Ah, mais en même temps, on va partir, là, c'est ça. La marque de la lune pour trouver la pierre dans le cache de Crescent Island. Attention. Ouh! Ah ouais! Il y avait ça aussi comme piège, ouais. Attention! Ouais, ah oui, je suis mort. Bon bah, tu retourneras sur le navire du coup. Il y a l'orage qui arrive là, sinon il est quasiment au-dessus de nous. Mais ça devrait aller. Alors, il faut aller où? Crescent Isle, je l'ai marqué sur la carte, c'est tout au sud. Oh, c'est au sud. Parfait, on attend que Seb revienne et on nigo! Je vais à la vigie. C'est pas la petite île qui est en face de nous là, hein? Non, c'est juste celle de l'autre côté. Ah, attends, je vais vérifier parce que j'ai mis Crescent Isle, mais c'est Crescent Island. Ah, non, je pense que ça devrait aller. En tout cas, elle a une forme de croissant. De chocolatine ou de.
Excellent, tu devrais faire du stream. C'est 13 ans, ça fait 13 ans qu'on est sur YouTube, si vous demandez. Toute la soirée. Alors. On fait aussi des mèmes sur Facebook, des fois. C'est ça. Des citations, tu vois, avec des anges et... C'est l'île qui est juste à gauche, là ? Juste à bâbord ? C'est celle-là, là ? Après, oui, t'as raison, elle a l'air vaguement d'un croissant. Bah, c'est pas vraiment un croissant, il n'y a pas de pâtisserie dessus, il n'y a pas de... Excellent. Abonnez-vous. Je vois pas de farine, il n'y a pas d'orée. Je vois pas de beurre. Ouais, je vois pas de beurre. Abonnez-vous. Préparez, je... Stop. Mais non, mais tu peux pas faire genre stop comme si c'était instantané, alors que tu sais que c'est une envie. Voilà. Non. Allez, ouais, je vais colmater. Hein. Ouais. Allez-y. Allez. Alors, le bouquin dit... Ça continue à péter pendant 20 minutes. Ah oui, c'est une catastrophe. Bien courageux de vous aventurer dans mon atelier, j'espère qu'on sera enlève. Bien courageux de vous écraser sur mon île. Donc la cave de Crescent Island, ça veut dire que, à mon avis, ça va être par là. Non. Qu'est-ce qu'il disait, du coup ? C'est quoi le bail ? Alors, regarde, moi, wow, je chercher la marque de la lune. Raise, s'il vous plaît. Trouver la pierre. T'es mort, Fred ? Ouais. Bah là, je suis trop loin en fait. Je peux revenir. Oh, mais salut, bonne soirée alors. Ça j'arrive, mais oh, j'aurais jamais. Oh non, il y a le connard électrique. Aidez-moi. Connard électrique. Connard électrique. Ah non, lui, il faut l'utiliser à distance, lui. Ok, c'est bon, je reviens. Je l'ai posé où le truc ? Je l'ai pas posé là ? Ah si, c'est bon. En plus, non, je suis mort parce que j'ai essayé de protéger Seb, j'aurais pas dû. Mais non, j'étais devant toi. Comment tu... Bah oui, t'étais devant moi, justement, les squelettes t'ont pop derrière toi, ils te venaient dessus et je me suis sacrifié pour te sauver. Dans la réécriture de l'histoire, ça. Ouais. Je suis sûr que t'as tiré dans la caisse, elle est débordée. Donc, redites le texte exact. Chercher la marque de la lune pour trouver la pierre dans la cache de Crescent Island. Donc là, il y a une cache avec des marques de lune, hein. Oui, c'est celle-là, oui. Mais c'est au singulier, c'est la marque de la lune pour trouver la pierre. Est-ce que c'est pas un truc qui réagit à la lumière ? Non, c'est jamais. Ah non, mais non, je dois placer le totem dessus. Non, c'est bon. Il y a un endroit où je peux placer le totem. Okay, ah oui, go. D'accord. Et voilà, oh, c'est beau. Ouais, oh. C'est on a l'impression de vivre une aventure un peu, hein. Ouais. Alors attention, il y a peut-être des pièges. Je passe en proms. Vas-y. Wow. Ah, c'est pas un truc où la flotte elle monte et. Oh là là. Je pense qu'il faut allumer les bras zéro avec les lanternes. Et une fois que ça sera fait, ça va partir en couille. Il va falloir faire pivoter ces blocs, à mon avis, il y aura un jeu de symboles. Écoute. Attendez, faut pas trouver ces symboles. Pas encore, je pense. Hein. Je pense que. Ça donc, va nous attendre. Ah, ok. Attention. Voilà, j'ai réussi. Ah, le banon. Ah, mais c'est tout. Ah, ok. Ah, oh, c'est anticlimatique, ok. La pierre du Shroudbreaker. Hop là. Attends. Hop, récupéré. Il y a les symboles qui ont tourné. Et la porte s'est fermée. Ok, c'est parti. Il y a des squelettes qui sont forcés. Ok, c'est bagarre. Ok, ouais. C'est parti. C'est bagarre aussi. J'ai le médaillon de la lune. Bon, le gardien de la cache. Butez-le. C'est bon, je l'ai mort. Il y a une pierre de Shroudbreaker. Ouais, attends, il faut que je place le médaillon. Je place le médaillon dedans. D'accord. Je valide. Voilà. Il fallait voir ça. Et là, je prends la pierre du Shroudbreaker. Voilà. Et on est bien là. Et là, on peut sortir. C'était trop simple. Easy. Ok, je m'attendais à vachement plus dur. Faut retourner voir le perroquet, donc pour 4 heures de bateau encore. Allez, let's go. Let's go, la vie de pirate, mec. Attends. Tu me dis, je jette l'encre dès que tu veux. Maintenant. Ok. Maintenant. Ah, je voulais faire mon hip-hop, là. Bon, raté. Ah ouais, t'as coincé l'encre, Sébastien. Ah, merde. Si on se conne, c'est ta faute. Alors, il me semble que le perroquet était sur la plage, mais pas celle-ci. Alors, attends, juste jetons un coup d'œil rapide pour voir si on n'a pas de navire ennemi quelque part dans les environs. Alors, si, il y a une sloop derrière nous, c'est pour ça que je pense qu'on devrait réorienter le navire pour être en direction de partir. Okay. Attends, mais il vole ? Tu racontes, mec. Il est bourré, il est complètement dans un autre délire. Ah non, c'était un rocher, je suis trompé. Non, mais j'ai vu le bateau voler, alors c'est peut-être un bug graphique, à moins que ce soit un PNJ que je connaisse pas. Non. Moi, je pense qu'on peut se dépêcher d'aller donner cette pierre et pas là. Ouais, moi, je pense que on y va à la nage parce qu'on est pas en face du bousin, ouais, je crois. On peut y aller. Moi, je crois que d'ailleurs. Mais je suis là. Non, ouais, faut qu'on fasse le tour pour trouver une plage. Ah, la foudre. Cette tempête nous poursuit, c'est incroyable. La tempête, vraiment, c'est au-dessus de nous maintenant. On a changé 3 fois d'île, la tempête 3 fois, elle nous a suivi. On dirait qu'elle a identifié qu'il y avait des Bretons. Ok, je pense que c'est effectivement par là. T'en faut buter les squelettes. Oui, il y a les pavis ici. Ouais, je crois que Salty n'est plus très loin. Il est là, Salty. Let's go. Ah non, Fred est là, c'est bon. Allez, c'est bon, monde. Là. Allez, je donne la on pierre, parle. Je donne la pierre. Let's go. C'est cool. Ah, wow. Génial. Ah, putain. Sérieux.
Je reste. Mais même dans la cinématique de fin, c'est pas possible, quoi. Ok, c'est bon. La vanne, elle est incroyable. Putain, mais je me fais défoncer. C'est vraiment le cow-boy dans le soleil couchant qui s'en va et qui prend la foudre. I'm a poor lonesome. Bam. Ok, bah on prend les quelques trésors qu'il y a, on y retourne. On y retourne. J'ai trouvé du sucre. Bien joué, mec. On est pas venu pour rien, hein. Ça c'est beau. Ma délicieuse montagne de sucre. Par contre, va falloir juste relever les voiles si on veut se barrer, parce que sinon on va foncer sur nous. Je relève les voiles. On va faire ça. Et moi, j'accorde ma base. Je vais poser mon sucre d'abord. T'es dans la bonne direction ? Ah, oula ! Cette fois, c'était moi. Ok, il n'y a plus de bois. On a plus de planches en bois. Non, non, mais il y en a, j'ai une caisse. Il y a une caisse qui est remplie de planches en bois en bas. Et oui, en plus, il y a des planches dans les caisses qui ont été rapportées. Il y a des caisses qu'on a posées dans la cale et dedans, t'as des planches. Oui, c'est ce que disait Fred. Pardon. J'écoutais pas. M'intéresse pas généralement ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai. Je confirme. Hein. On rappelle, c'est mon anniversaire, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai, joyeux anniversaire. Non, c'est pas vrai. Alors qu'on se prend, mais de manière ininterrompue, des coups de... Est-ce que c'est la grosse île avec les rochers pointus un peu plus... Je pense que là, c'est celle-là, c'est celle devant laquelle il y a un bateau ennemi garé. Allez. Qu'on aime. Ouais, c'est celle-là. Là, t'es tout droit. C'est pour l'épilogue, ça. C'est ce qui annonce le deuxième. Ah oui, il y a effectivement un putain de galion devant. Un galion avec le bon drapeau pirate dessus, là. On ferait pas un méga drive-by Oui, on se souvient, ça marchait bien la dernière fois. Oui. Est-ce qu'on a un tonneau explosif? Non. J'en ai vu plein tout à l'heure et j'ai pas pensé à en ramasser. On peut leur donner du sucre, hein, ça. C'est vrai, on peut leur donner peut-être les tuer du diabète dans 20 ans, ouais. Sinon, mec, on leur fonce dessus, mais vraiment, on met les voiles à pleine balle et on leur rentre dessus en ramant leur navire. Non, attendez. Le vrai truc à faire, c'est une fois qu'on arrive à côté, faut relever toutes les voiles et pas jeter l'ancre. Alors, on va très très vite. En fait, mettez l'ancre en fait. On va très très vite. Oui. On va très très vite. Hop. L'ancre. Pardon. Bah, je vais pas, mais ça... C'est moi qui l'ai stoppé. Mais ça va, on est bien. Je crois qu'on apparaît pas comme une menace, c'est bon. Je crois qu'ils doivent se dire là, c'est bon, on a rien à craindre. Moi, je vais aller rendre les trésors en fait. Ouais, on va faire ça, ouais. Moi, je vais colmater. Pour moi, je vais aller colmater les trous. On a plus une âme de marchand que. On a une âme de marchand, c'est ça. Je vais rendre des trésors, hein. Tiens, ils ont dû nous voir arriver en mode, demander, il y a un galion qui nous fonce dessus. Suivi de juste après, mais où ils vont? Ils ont peut-être stressé au début, ils ont dit, oh putain, on va se faire attaquer ou quoi? Non. Après tout, on est des pirates. Oh, ils ont un trident des sombres marées. Vas-y, on le vole. Vas-y, on le pète. Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Ah mais je peux attaquer avec. C'est vrai, mais ils ont qu'à pas laisser garer leur voiture ici. Hein. On est des connards, par contre. Hein. On est vraiment des merdes. Attends, y'a quoi là? Je sais pas à qui vendre ça. Coffre de vêtements, non, je vais pas leur. Je l'ai tué! Ils sont où en plus, je les vois pas? Ils sont à la taverne? J'en ai tué un. On leur vole leur bateau et on va faire d'autres aventures. Attends, on va mettre le feu à leur bateau. Bah quoi, mettre le feu? Ah merde, j'ai mis le feu à moi-même! Yes! Voilà, ça c'est efficace, ça marche bien, voilà. Voilà, ils sont nuls, on est tellement fort au jeu! Ah les nulos! Les seuls bateaux qu'on arrive à couler, c'est ceux qui sont hackés où y'a personne. Ah, oh, les nuls quoi, putain. Alors, c'est qui les pirates, hein? Alors, oh, les nuls. Aïe, il m'a tué. Oh merde, je l'ai pas reconnu. Ah bah là, on a mérité. Je l'ai tué. Ah merde, tu fais crever tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le feu à toi-même en fait. Oui, mais j'essaie. Ah, je vais crever dans leur bateau, au secours. Attends, je te reste. Ah mais non, mais les autres joueurs là, si vous êtes pas prêts pour du PVP, faut pas venir, hein, vraiment. Hein. Bah ouais. Vraiment. On est des merdes. Non, c'est mis très bien. Il coule, hein. Ça coule. Il y a rien à voler, quoi. C'est vraiment. C'est juste vraiment, on a mis le feu à une bagnole parce que c'est marrant. C'est vrai. Il y a rien d'autre que de la haine gratuite. C'est ça. C'est l'artifice. Attends, je vais le faire péter. Vas-y. Comment ça marche? Merde. Mettre dans les flammes, on peut pas. Comment ça marche? Et je prends feu. Putain. T'en prends pas feu. Prends pas feu. Ne me dis pas qu'on va perdre. Mais tu m'as foutu le feu. Ah, je crame aussi, putain. On va perdre alors qu'ils sont AFK, vraiment. Il doit être bien dégoûté, là. Ah ouais, putain. Ouais. En même temps, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Bah ouais, de ouf. Fallait pas jouer s'ils avaient peur de perdre. Là. Fallait pas venir sur un jeu PVP, les nulos. La rumeur va circuler là sur les serveurs, hein, attention. Attends, venez en jeu de musique devant leur bateau qui coule pour fêter notre première victoire en PVP. Le cabestan du navire a reçu des dégâts. Ils niquent notre bateau.
Ouais. Non. Qui serait... Quel connard peut faire ça? Oui. Vous avez le droit de faire ça. Arrêtez. Ah non, non mais y'a rien. Y'a rien. Je sais pas, j'ai eu un message, j'avais marqué Capestan. Une tradition un peu de brûler un bâton en fin de quête là. Voilà, regardez, ils ont coulé, on a gagné. Oh là là, regardez, c'est beau. GG. Qu'est-ce qu'on est fort. On est trop fort. Ok, et eh ben les amis, je vous laisse, sachez que ça a été un véritable plaisir. Et de même, ouais, merci, merci Seb, merci Karim. Karim, tu restreams assez régulièrement, c'est ça là en ce moment? Je stream tous les mardis et jeudis, Antoine, et parfois le week-end avec Gilles Stella, puisque oui, tu devineras pas qui j'ai croisé en stream. Gilles Stella. Les lundis, les mercredis et les vendredis. C'était très sympa en tout cas. Ciao, ciao. Bisous. Des bisous. Salut.